bois de Boulogne, un jour de mai, je trottinais sans me paresser. À pied, quand surgit dans l'allée centrale un garçon beau comme Hannibal. À cheval, à ce moment-là, d'une 30 chevaux, un monsieur me tira son chapeau. Oh oh! Et je pensais devant leur grande allure, comment finira cette aventure? À pied, à cheval ou en voiture? Je ne suis pas une sainte mitouche. Tous les deux étaient charmants. Et me jugeant peu farouche, s'approchèrent en souriant. Quand descendu de son coursier, j'eus devant moi le cavalier. À pied, il me tourna un madrigal et voulut m'enlever, c'est fatal. À cheval, l'autre monsieur me proposa la Côte d'Azur, hein, la Riviera, non? Oui. Je me voyais telle une gravure portant mes perles et mes fourrures à pied, à cheval et en voiture. Ainsi que toutes les femmes voulant changer condition, je bâtissais mon programme bijoux, villa, vison. Mes rêves se sont écroulés lorsqu'un gros monsieur qui s'amenait à pied, apostrophant mon Hannibal, lui dit sur un ton sépulcral: allez, allez, à cheval. Je paye pas mon valet pour flirter, ni mon chauffeur pour s'amuser. L'auto se rangea contre la bordure, mon cavalier prit sa monture. Adieu, vison, chevaux, voiture. Mais au lieu de philosopher, je me suis remise à trotter. À pied, pensant après tout, y a pas de mal, je suis toujours sur la morale. Bien sûr, à cheval. Bien qu'il s'en soit fallu d'un rien pour que je fasse partie du gratin. Oh, écoutez, monsieur, je vous en prie, tiens, tiens. Vers mon Léon, à toute allure, je pars et zut pour l'aventure. À pied, à cheval et en voiture.